Good morning, allez, Iden, les titres aujourd'hui, le Nishmat Murubi Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude, de Mishak, de Kitel 5 minutes éternelles, nous étudions ma Sechet Menachot, Grec, Gimel, Mishnah Zain, Shiva, Kne, Menora, Meagvin, Zaidze, Shiva, Nerotea, Meagvin, Zaidze, Shte Parashot, Shebam Zouza, Meagvot, Zaidzo, Vafilo Octave, Echad, Meagvan. ארבע פרשיות שבתפילין מעגבות זו את זו. ואפילו כתב אחד מעגבה. ארבע ציציות מעגבות זו את זו, שארבעתן מצווה אחת. רבי ישמעאל אומר, ארבעתן ארבע מצוות. Donc on continue le même sujet, le même principe plutôt. On est vraiment plus dans le même sujet. Mais le même principe de lorsque la Torah m'impose une mitzvah composée de plusieurs éléments, est-ce que, en l'absence d'un des éléments, je ne peux pas réaliser, par exemple, est-ce que j'accomplis la mitzvah avec le reste? Des fois oui, des fois non. D'accord? En l'occurrence, on a développé maintenant depuis la Mishnah Hey, on a commencé avec la Mincha, et puis ensuite on est déjà dans la Mishnah Vav, on a passé en revue plusieurs types de korbanot, et puis ensuite on a même commencé à parler du lulav, et des aspersions, de certaines aspersions, de korbanot de nouveau. Et à présent, dans la Mishnah, on va continuer. Encore plus loin, on va parler d'autres sujets. En l'occurrence, on va parler de la menorah, on va parler des tefillin, de la mezouza, des tzitziot. Et le premier sujet, tout d'abord, Shiva, Kne, menorah, Me'agvin, Zeze. Les sept branches de la menorah, du candélabre, je crois que ça se dit. Bref, la menorah, on sait c'est quoi. Au Beth Amikdash, l'un empêche l'autre. Imaginez que donc la menorah, elle est composée avec la branche du milieu et deux par deux, ça sort à trois reprises, donc ça nous fait 7 Kne Menorah. Imaginez qu'il y a eu un problème, il en manque une aujourd'hui, il y a une qui s'est cassée. Est-ce que, a posteriori, on a quand même allumé le reste de la Menorah, le temps qu'on fabrique une nouvelle Menorah? Ou bien non, si t'as plus les 7, t'as plus rien. Réponse, mais Agvin Zaidze, l'un empêche l'autre, c'est-à-dire l'absence de l'un invalide la réalisation de la Mishnah par les autres. D'accord? Shiva nerotea me agvin ze et ze. Il n'y a pas juste les sept branches. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a parlé des sept branches. Et maintenant, on va parler des sept lumières même. L'un empêche l'autre. C'est-à-dire, même principe, on a la menorah qui est intégrale, parfaite. Mais il nous manque le nerf. Le nerf, c'est la fiole où est-ce qu'on allume. D'accord ? Au-dessus de la branche, il y avait là-bas une fiole où il y avait dedans de l'huile. Et il en manque une, il y a un problème avec l'une, on n'arrive pas à l'allumer aujourd'hui, il y a un trou dedans, ça ne peut pas contenir l'huile. Eh bien, la Mishnah enseigne, mais Agvot Zoedze. Magvin Zoedze, non, ça invalide. D'accord? Il faut donc 7 branches avec les 7 fioles nécessairement. Ensuite, on parle de la mezouza, maintenant, jeté par Shot Sheba Mezouza, mais Agvot Zoedze. Les deux paragraphes de parchemin, c'est pas exact de traduire le parchemin parce que ça doit être écrit dans un même parchemin, même si c'est discuté. La halakha, on tient que dans un même parchemin, il faut écrire deux paragraphes. Imaginez qu'on a une mezouza, par exemple, on a commencé à écrire la mezouza. Ouais. Je suis arrivé dans un endroit pour dormir. En Israël, il faut mettre tout de suite une mezouza. Je suis rentré dans ma maison et j'ai commencé à écrire la mezouza, mais j'étais tellement fatigué, j'ai fini d'écrire un seul paragraphe. Est-ce que je me dis, bon, de toute façon, continuez, j'ai plus la force. J'ai les yeux qui font que de s'endormir. J'arrive plus à écrire, d'accord? Est-ce que je peux quand même accrocher la mezouza avec une paracha? C'est toujours ça? Ou bien ça sert strictement à rien? La Mishnah enseigne, j'étais parachute chez la mezouza, mais Agvot Zoezer, les deux parachutes, les deux paragraphes de la mezouza, de nouveau, l'un empêche l'autre. D'accord? Ve'afilo ktav echad me'agvan. Et même une seule lettre les empêche. Le Bartenura, là, il rallonge sur une halakha très importante, c'est bon à savoir, qu'il faut faire très attention dans les mezouzotes. Aucune lettre qui se touche. D'accord? Même si vous allez voir, je sais pas moi, le Aleph qui va se finir avec la petite pointe qui va entrer dans le. Où c'est qu'il y a un Aleph dans le schéma Israël avec le Aleph, le Lamed. Imaginez la petite pointe du haut, elle touche le dos du Lamed. D'accord? Ça se touche un tout petit peu, ça invalide la mezouza. Pourquoi? Parce que c'est un problème de moukaf du vil. Il faut que chaque mezouza soit encerclée par du parchemin. D'accord? La lettre noire. On s'est entouré de parchemin blanc. Et si on a deux lettres qui vont se toucher, la lettre n'est plus mukefet givil. D'accord? Même dans la Torah, c'est invalide, et même dans les tefillin, c'est invalide. J'ai déjà vu, moi personnellement, je me souviens d'un Shabbat Ratan, dans un hôtel à Natania, quoi, où
où c'était moi qui lisais à la Torah, dans un Sefer Torah qui me... J'avais le cœur qui sautait à chaque fois que je regardais les lettres pas, qui dansaient dans tous les sens de tout ça, jusqu'au moment où je suis arrivé avec deux lettres qui se touchaient franchement. J'ai dit cette fois-ci, ça y est, on peut plus continuer à lire dans Sefer Torah, c'est invalidé. On peut pas non plus le réparer pendant Shabbat, ouais. En théorie, on pourrait gratter la lettre entre les deux de manière à ce que chaque lettre va devenir distincte pour le Sefer Torah. Pour la Mezouza, c'est un peu différent, je connais pas les règles, je vais pas parler, mais en tout cas pour le Sefer Torah, il suffit de dire rien. Mais sûrement pas le Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de le réparer, c'est un interdit de Raita cette fois-ci, d'accord. On est mochek, effacé à Shabbat de manière qu'on construit, qu'on répare, quoi. Ensuite, donc, va faire l'Oktav Echad Me'Agvan, même une seule lettre invalide. C'était rapporté dans le Barthénora. D'accord. Ensuite, on a Arba Parashiyot Shabbat Filin Magvot Zuezo. Les quatre paragraphes, Parashiyot, paragraphes du chemin, des Tfilin invalides l'un à l'autre, qu'il s'agisse du Tfilin Shaliyad ou Tfilin Shalosh. Vous savez que Tfilin Shaliyad, on a les quatre Parashiyot qui sont sur un très long parchemin fin. Et dans la Tfilin Shel Rosh, on a donc ces rentrées, c'est les quatre petits parchemins qui sont rentrés dans les quatre compartiments. D'accord ? Imaginez que de nouveau vous n'avez que trois, vous voulez quand même accomplir la mitzvah, peu importe, j'en sais rien. À Auschwitz, c'était la seule paire de Tfilin qu'ils ont réussi à avoir et il y a eu un problème avec l'une. Est-ce qu'on va quand même mettre les Tfilin avec ce qui reste ? Réponse, malheureusement, non. On n'accomplit plus la mitzvah, ça ne sert plus à rien. Donc, mais Akvot Zoezo, ça invalide la mitzvah. La Filukta Vechad Me'Agvan, de nouveau, même. Une seule lettre invalide le tout, comme précédemment. Arba tzitziyot me'akvot zo et zo. Les quatre tzitziyot, vous savez que le tzitzit, c'est un habit à quatre coins, d'accord ? Dans chaque coin, on a accroché là-bas une frange. Donc quatre tzitziyot, l'un empêche l'autre. Si vous vous retrouvez avec un tzitzit qui a été fait qu'avec trois, ça s'est déchiré. Et bien la Mishnah m'enseigne, mais akvot zo et zo, l'un empêche l'autre, on n'accomplit plus la mitzvah avec le reste. On va expliquer exactement de quoi on parle. C'est rapporté très brièvement dans le Tosot Yom Tov. On va expliquer un petit peu mieux de quoi la Gemara parle. Sharbaatan mitzvah achat, les quatre sont une seule mitzvah. Et Rabbi Shmuel nous dit non, arbaatan arba mitzvot. Les quatre sont quatre mitzvot distinctes. On explique un petit peu mieux. Tout d'abord, le tzitzit. Si vous avez un habit à quatre coins, vous êtes obligé de mettre les tzitziyot dessus, parce que vous avez le devoir d'accomplir une mitzvah. Il y a certains cas de figure, malgré tout, où, imaginez par exemple, c'est tout ce que vous avez. C'est discuté dans la face, ça m'embête d'en parler parce que. Succinctement, d'accord ? Imaginez que vous avez un habit, maintenant vous avez un habit à, où il y a quatre coins, mais vous avez pu obtenir que trois fils, que trois franges, et la quatrième frange, vous ne la trouvez pas pour le moment. Et c'est l'habit que vous avez à vous mettre. Vous ne pouvez pas, en théorie, on pourra arrondir le coin. Mais dans certains cas de figure, le Shabbat par exemple, où on ne peut pas de toute façon tâcher des tissus, vous avez le droit de sortir avec cet habit à trois coins, à quatre coins, où il n'y a que trois franges qui sont suspendues. D'accord ? Vous n'avez pas le choix, vous vous retrouvez en situation bloquée. Il n'y a pas d'interdit à porter un talit qui n'a pas, dans lequel on n'a pas mis les tissus. L'interdit que fonctionne à l'envers. Tu as le devoir de mettre les quatre franges aux quatre coins, et donc. Tu n'as pas le droit d'annuler ta mitzvah, donc tu n'as pas le droit de mettre un talit qui n'a pas les quatre franges. Si tu te retrouves en situation où tu ne peux pas accrocher les quatre franges, par exemple c'est le Shabbat, et bien dans ce cas-là, tu as le droit de mettre ton habit à quatre coins sans les franges. D'accord ? Ça, c'était la pré-introduction. Maintenant, la Torah m'a imposé de mettre quatre franges. Il y a eu un problème. Le Shabbat, ouais, je préfère parler du Shabbat, comme ça c'est admis d'après tous les avis. Le Shabbat, je me retrouve maintenant avec une frange qui a été coupée. En théorie, j'ai le droit de continuer à porter ce vêtement le Shabbat. J'ai pas besoin de m'enlever parce que c'est pas le moment de faire la mitzvah d'accrocher des tzitzit. Premièrement. Maintenant, il faut savoir que dans le talit initial, si l'habit, par exemple, on va prendre le cas de l'habit en lin. Si j'ai un vêtement en lin qui a dans quatre coins, j'ai le devoir d'accrocher dessus des tzitzit. Les tzitzit, en général, ils sont en laine. Pour un habit en lin, alors, en théorie, lorsqu'on avait le trellet, le bleu azur, il fallait prendre deux fils de lin et deux fils ou un fil, ça dépend des avis, de laine teint en bleu azur. Bon, maintenant, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. On a un habit en lin, on va accrocher dedans des fils de laine. On est en train de transgresser en théorie l'interdit de Shahatnez, de ne pas mettre ensemble un habit qui est composé de lin et de laine. Seulement, la Torah m'a donné une mitzvah.
de mettre malgré tout le tzitzit. Donc si c'est la mitzvah, ça s'appelle assez d'ochelota assez. On a la mitzvah assez qui repousse l'interdit de l'un pour accomplir la mitzvah. La Torah m'a dit de faire de la sorte. Pour le moment, tout va bien. Question. Si le Shabbat, je me retrouve avec ma frange, une des franges de mon habit de lin qui se coupe. Il me reste que trois franges. Il s'avère que maintenant, cet habit, si j'accomplis plus la mitzvah, je transgresse l'interdit de porter du chalatnez. C'est en cela qu'ils discutent notamment Rabbi Shmuel et Chachamim. Chachamim te disent, écoute, les quatre mitzvahs, c'est une seule mitzvah. Je t'ai pas demandé d'accrocher une frange à chaque coin. Je t'ai demandé d'accrocher quatre franges à tes quatre coins. Si tu n'as plus les quatre franges pour les quatre coins, tu n'accomplis plus rien. De ce fait, tu te retrouves le Shabbat maintenant, tu as une frange qui s'est craquée. Tu veux maintenant continuer à porter ce vêtement, le temps de rentrer chez toi à la maison. Eh bien, mon ami, tu es en train de porter du lin et de la laine mélangée, parce que tu n'accomplis plus de mitzvah. Tant que tu accomplis la mitzvah, il n'y a aucun problème. Assez d'ochelota, assez. La Torah t'a demandé de transgresser l'interdit de mettre du lin et de la laine pour accomplir cette belle mitzvah de porter le tzitzit avec le bleu azur, même dans un habit de lin. Mais dès que tu vas te retrouver maintenant que tu n'accomplis plus la mitzvah, tu transgresses l'interdit. Selon ce principe, ta famille te dit, dans ce cas-là, les quatre, c'est une seule mitzvah, il en manque. Tu ne peux plus réaliser les quatre, tu n'accomplis plus la mitzvah. Rabbi Shmuel vient et me dit, non, les quatre sont chacun une mitzvah indépendante. Si les quatre sont chacun une mitzvah indépendante, ça signifie que je pourrais continuer à porter ce vêtement pendant le Shabbat, même si j'ai plus que trois franges. J'accomplis quand même une mitzvah avec chaque frange, c'est une mitzvah indépendante. D'accord ? Ça, c'était un des cas de figure. Le Tosfos Yomtov rapporte en fait. Il y a aussi le cas avec un talit qui a 5 coins. Si je me retrouve avec un talit qui a 5 coins, un pentagone, c'est simple à réaliser, vous prenez un habit à 4 coins, mais le 4e coin, vous le coupez en fait en diagonale, donc vous allez retrouver avec 2 coins supplémentaires. Un habit à 5 coins, la Torah a, on déduit ça de Psukim dans la Gemara, que l'on doit quand même mettre des tzitziot. La question c'est combien de tzitziot ? 4 parmi les 5 ou 5 sur les 5 ? Et en cela, ça découle de nouveau de cette discussion. Ce qui est sûr, c'est que la Torah t'a dit, l'habit à 5 coins, il doit avoir des tzitziot. Maintenant, combien de tzitziot ? Chachamim, eux, comprennent que les 4 tzitziot, c'est une seule mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah de mettre une frange à chaque coin. Il y a une mitzvah de mettre 4 franges aux 4 coins. De ce fait, dans un habit à 5 coins, tu mettras 4 franges aux 5 coins. Comment tu vas faire ? Eh bien, il y aura un coin où il n'y aura pas de frange. D'accord ? Tu sauteras, il faudra prendre les coins les plus éloignés, et tu feras avec ça, et puis c'est tout. Ça, c'est l'habit de Chachamim. Rabbi Shmuel, il va te dire, non, chaque frange à chaque coin. Donc, 5 coins, je t'impose qu'un habit à 5 coins, il doit porter des tzitziot. Eh bien, dans ce cas-là, tu devras mettre de nouveau 5 franges aux 5 coins. D'accord ? C'est clair ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.